Notre analyse technique du Raptor MK2 est maintenant terminée. Ce prototype est en fait la version en plus grand, plus puissant et en plus avancé technologiquement du Raptor utilisé par les Marines. Les Raptors s'adaptent à tout type de terrain. Ils ont une importante puissance de feu frontal et sont extrêmement solides. Il y a cependant certains inconvénients à les utiliser lors des contre-attaques contre les Marines. Les défenses antiaériennes étant déjà en place, ils ne pourront être améliorés à temps pour une telle attaque au sol. Tandis que les techniciens adaptent nos munitions au Raptor, profitez-en pour vous familiariser avec son système de fonctionnement et ses commandes de contrôle. Patrouillez le dôme carré. Suivez votre indicateur de point de passage. Toute force de Marines rencontrée devra être abattue à vue. Rendez-vous à la base aérienne principale pour télécharger vos coordonnées de patrouille. Coordonnées du point de passage téléchargé. Rendez-vous au premier point de passage dès que vous serez prêt. Patrouille Venom 1 lancée. À plus tard, Escadron Alpha! La station de communication des Marines a été installée ici. Détruisez-la.
Marines ennemies en approche. Éliminez-les. Ennemi détruit. Continuez la patrouille. Point de passage dégagé. Rendez-vous au prochain point de passage. Escadron Alpha, nous enregistrons des relevés d'énergie à l'entrée du dôme près de vous. Examinez la situation. Jusqu'à l'arrivée des renforts. Nous sommes en route, escadron Alpha. Un véhicule de transport a été détaché pour sceller de nouveau le tunnel.
Tunnel scellé. Bon travail, Escadron Alpha. Continuez votre patrouille. Les marines s'approchent de votre position. Patrouille terminée. Rentrez à la base. Quelque chose se passe à l'entrée est du tunnel. C'est un assaut majeur. Le Raptor MK2 a prouvé qu'il était un apport précieux à l'arsenal des G-Police, particulièrement lors d'affrontements avec les chasseurs, où il est capable d'esquiver rapidement leurs formations serrées. Bien que nous manquions actuellement d'armes de premier plan, le Raptor a reçu un équipement complet. Les ingénieurs des G-Police travaillent encore à la mise en place d'armes supplémentaires sur le Raptor. Les capacités de cette machine vont être testées au cours des prochaines heures. Les troupes de reconnaissance nous signalent d'importants mouvements de troupes de Marines aux alentours du Dôme Lodur. Il semblerait que le colonel Gris soit à l'origine d'une nouvelle offensive sur nos positions.